Quand est-ce que vous voulez venir le prendre un verre chez nous? Chou. Quand est-ce que vous voulez venir le prendre un verre chez nous? Chou. Plutôt jus de fruits, moi. Ce sera une troisième version. À Beyrouth, Arak, à fond. Ouais, on va boire du pastis ici quand même. Pastis. Ça a plus de goût, c'est plus sucré. Et puis moi, c'est dans mes gènes, ça. C'est un problème identitaire total. Donc, Arak ou pastis, pastis. J'aime pas le Arak, j'aime pas le pastis. Raki, j'aime mieux. C'est le goût. Ni l'un ni l'autre. De l'eau. Arak. Pourquoi? Parce que c'est le goût de toute ma vie. Parce que... C'est un goût familier. Ara, c'est ce qu'on boit au Liban. C'est ce qu'on boit là. Non, Arak, je suis de Zahle, donc je ne peux que dire Arak. Je suis née dans le pays de l'Arak. Enfin, je ne suis pas née, je suis née à Beyrouth, mais je suis originaire du pays de l'Arak. Cueillette. Parce que j'ai l'habitude de cueillir les fruits, tous les fruits, toutes sortes de fruits depuis que je suis gamin, donc voilà. Les armes, c'est pas pour moi. Cueillette, j'aime pas la chasse. Non, j'ai jamais pris de plaisir à tuer des animaux. Cueillette. Surtout pas, ni l'un ni l'autre, tu peux? J'aime pas cueillir, j'aime pas tuer. Cueillette, parce que ça me rappelle la cueillette des murs, quand j'étais petite, au sud de la France. Ah, certainement pas chasse, cueillette. Cueillette, cueillette, cueillette. Sûrement. Donc je n'accepterai jamais de tuer un animal pour pouvoir le manger. Chasse. Je ne gagne pas souvent, mais j'aime jouer à la chasse. Ah non, certainement pas chasse. Cueillette, oui, puisque je suis jardinier paysagiste, donc je suis dans les jardins. Bonjour. Oui, très très bien. Et chasse, certainement pas. Je déteste qu'on tue les animaux. Je suis capable de devenir moi-même chasseur d'hommes. Voilà. Cueillette à fond. Cueillette. C'est plus mignon. Quand est-ce que vous voulez venir le prendre un verre chez nous? Livre encore. Encore un peu. Oh, jusqu'à maintenant, livre. J'aime toujours le livre. Parce que je trouve que c'est plus portable. C'est moins compliqué. J'aime une texture de papier. Moi, j'aime mieux le livre papier, mais le livre sur un e-book, ça reste un livre. Le livre, le contact du papier, c'est une chose dont on ne voit pas se passer. Maintenant, pouvoir découvrir des livres virtuellement, sur quel que soit le support, que ce soit sur un écran d'ordinateur, une plaquette ou n'importe quoi, c'est complémentaire. Il ne faut pas se priver. Donc, les deux. Mais c'est aussi un peu particulier, j'aime bien les deux, mais je suis surtout livre. Le livre est très important pour moi, il passe de loin avant l'e-book, mais l'e-book c'est une nouvelle ouverture sur autre chose, qui n'est pas une concurrence, pas le livre pour moi, c'est un autre médium et qui donne d'autres possibilités. Mais le livre, c'est une fascination formidable. Livre, définitivement. Livre pour le sentir, pour le toucher, pour le palper, pour le tourner les pages, pour un livre. Ouais. Livre, comme ça on peut les brûler. Non, je blague. On brûle beaucoup de choses en ce moment, surtout cette semaine. Un livre, c'est pas mal parce que on tourne une page comme une page dans la vie. Non, livre. Décidément, vous voyez pas, je suis une vieille, je cache mes cheveux blancs, mais je suis vieille, donc je suis pas du tout technologie. Livre et encore livre.